Allez, c'est parti. Le coup d'envoi qui a été donné par Yanis Laga et par Mohamed El Arouche. Les Lyonnais en possession du ballon. Et allez, on va jouer tout de suite. C'est parti pour Mohamed El Arouche. Le ballon dans la surface. Au second poteau, la frappe d'Irvine Lomami. Et ce de Wadoudi, le centre de Wadoudi, centre tendu à l'entrée de la surface. C'est repoussé par Barisic. La récupération de Marley Félix. Dégagement sur la poitrine de Lucas Lior. Extérieur du pied de Lior, le 1-2 recherché par Thibaut Rimbaud. Attention à cette frappe de Di Capua. Bien dans l'axe avec Marley Félix. Irvine Lomami. Tadia Mendy qui vient cadrer Irvine Lomami. Le relais avec Félix. Félix pour le contrôle orienté d'Islam Alifa. C'est cool les gars. C'est cool les gars, le 1-2 avec Mohamed El Arouche. Le double 1-2 va fonctionner. C'est cool les gars qui arme sa frappe. La tentative lointaine de ses... La remise de Laga sur Bouey, Alifa, le centre d'Islam Alifa dans la surface, il y a Sekou Léga, le contrôle de la poitrine, la remise pour Mohamed El Arouche, la frappe en Roussillon, emmené par le coach Farid Fouzari, qui a titularisé lui Damien Grave dans la cage, Florian Dorso sur le côté droit de sa défense, Glenn Mbimba et Quentin Gault en charnière centrale, et attention, on va suivre cette action avec la tête de Lomami qui repousse, cette fois ça va être tiré rentrant. Par le numéro 10 de l'OL. C'est parti pour Momo El Arouche au second poteau. La tête de Yanis Laga, la sortie manquée de Damien Grave, mais c'est cool les gars qui ensuite n'a pas pu. C'est bon, reste là. Le dégagement de Grave, la tête de Rambo. Islam Alifa, le ballon n'est pas sorti. La récupération de Lucas Lior. Kadia Mendy, du bout du pied, va retrouver Wadoudi sur le côté gauche. Wadoudi qui feinte la frappe, il entre dans la surface de réparation, le tir. C'est pas fini, Islam Alifa. Voilà, un dégagement. Naga avec El Djebali, le double contact de Cheikh El Djebali. Et la passe du bout du pied pour Mohamed El Arouche. El Arouche qui peut accélérer. Mohamed El Arouche à l'entrée de la surface, la frappe facilement. Toufik Wadoudi. Transversal d'Alifa. Oh, c'est bien joué. C'est cool les gars qui s'emmènent ce ballon. C'est cool les gars avant d'entrer dans la surface qui centre fort. C'est tout de suite récupéré avec ce bon tac de Mohamed El Arouche. Islam Alifa, plein axe. Islam Alifa, le petit ballon retrait pour Marley Félix. À droite, il y a Cheikh El Djebali. Il va jouer sur Sekou Léga. Le crochet de Sekou Léga, c'est bien joué. Le passement de jambe de Sekou Léga. La frappe pied gauche, c'était cadré. La sortie du ballon au deuxième poteau. Mboup. Lomami qui vient lui chipper ce ballon dans les pieds. Il joue en retrait. Philippe Bouey qui remet dans l'axe pour Islam Alifa. La frappe de loin d'Islam. Glenn Mbimba, le 1-2 avec Kadia Mendy. Le pressing de Mohamed El Arouche. Le bloc lyonnais qui remonte. Mbimba qui relance sur Sekou Léga, le contrôle de Léga, la passe dans l'axe pour Paté Mboup. Paté Mboup sur son pied droit, la fin de frappe de Paté Mboup, la frappe est arrivée l'été dernier à l'OL, joueur formé au Dakar Sacré-Cœur, notre club partenaire. Sekou Léga dans la surface, la frappe croisée, c'est repoussé par Mohamed Bonnet pour Mohamed El Arouche. La carte à droite, le contrôle de Philippe Bouey. Passe de Dib qui a retrouvé la rouge, ça s'est bien fait côté droit. Philippe Bouey va remettre ce ballon dans la course de Mohamed El Arouche. Djibril Dib qui peut entrer dans la surface, l'accélération de Djibril Dib, il est passé. Djibril Dib, le centre en retrait, la frappe de s'écouler. Toufik Wadoudi ou Kadia Mendy pour le frapper. C'est Mendy qui va s'en charger, c'est cadré mais c'est repoussé par Mathieu Patouillet, l'arrêt important du gardien lyonnais. Attention à ce ballon qui revient dans la surface. Ça file au second poteau. Encore Kadia Mendy pour contrôler ce ballon. C'est cool les gars, face à lui, pas de faute. Cette fois le centre manqué. Noam Bonnet qui tente de tacler. Ça revient sur Hamdi. La frappe d'Hamdi. Quelle parade d'Acham Acham. Ce ballon n'est pas cadré. L'arbitre regarde sa montre et siffle un terme. C'est terminé dans ce match 0-0 donc entre l'OL et le Canet en Roussillon. Pour terminer cette phase aller du championnat, l'OL qui va donc boucler ses 15 premières journées avec un total de 19 points au compteur pour un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites.